Le petit Lico illustré du numérique, désormais disponible au Gabon, fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANEF, et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Ce dernier a été présenté récemment au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du directeur général de l'ANEF et du représentant régional de l'OIF pour l'Afrique centrale. À quoi servira ce document gratuit? Élément de réponse dans ce reportage. Reportage de Rodolphe Mukambi Bouma et Pierre Claverella de notre rédaction. Wi-Fi, fibre optique, connexion, débit et autres mots se rapportant au champ lexical du numérique sont assez souvent utilisés par tous. Pourtant, leur donner une définition ne semble pas être aisée pour certains. La biométrie, c'est un concept un peu plus facile. C'est une connexion Internet qui nous permet de naviguer et de faire des recherches sur Internet. Désormais, une solution est à votre portée, ce petit dico illustré du numérique. Un document d'une trentaine de pages en version numérique imprimée qui définit ces mots teintés de l'humour local. Un concept voulu par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. L'ANEF, vecteur du développement numérique du Gabon, entrant à travers ce partenariat. Après celui signé en avril dernier avec l'Agence universitaire de la francophonie, bénéficier de l'expertise de l'OIF dans l'appropriation des TIC par nos populations et apporter un soutien supplémentaire aux efforts du gouvernement dans la vulgarisation du numérique auprès de la jeunesse. C'est dans cette optique que le petit dico illustré du numérique participe pleinement et à sa manière à la promotion de l'éducation par l'utilisation des TIC. La présentation de ce lexique se déroule au siège régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale. L'OIF accompagne désormais l'ANEF dans la vulgarisation du numérique. Lorsque vous m'avez saisi pour que l'OIF accompagne l'ANEF dans la publication du petit dico illustré du numérique, nous n'avons pas hésité un seul instant pour répondre favorablement, parce que la vision et l'ambition portées par le plan Gabon numérique rejoignent parfaitement celle de notre organisation dans son ensemble. En effet, elle concorde pleinement avec la stratégie de la francophonie numérique à l'horizon 2020, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors de leur sommet qui s'est tenu à Kinshasa en octobre 2012. Le lexique est gratuit et donne des définitions simples tirées de nos scènes de vie quotidiennes, caricaturées par Paé. Ce premier tome est le début de la publication d'une série d'ouvrages didactiques consignés dans cet accord de partenariat entre l'OIF et l'ANEF.